Bonsoir à tous et bienvenue dans ce meet-up en ligne organisé par CloudRich pour le groupe meet-up Cloud Expert Paris. Alors aujourd'hui, on va parler d'observabilité. Alors je pense que ça peut paraître un mot un peu surprenant pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est ou pour certains un concept qui a besoin encore d'être mûri. Mais du coup, pour parler d'observabilité aujourd'hui, on s'est accompagné des meilleurs puisqu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir un expert de chez Splunk qui va nous parler justement de ce concept d'observabilité, nous expliquer comment quelle est sa vision et comment c'est mis en œuvre chez Splunk. Donc on est en live sur YouTube normalement, si tout se passe bien. Ce live est rediffusé, donc si vous avez des collègues, des amis, de la famille qui sont très intéressés par ce sujet de l'observabilité et plus particulièrement dans le cadre d'un cluster Kubernetes, parce que c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc à l'issue du live sur YouTube, vous pourrez renvoyer la même adresse sur laquelle vous êtes connecté, la partager sur LinkedIn. Vous avez la possibilité de la partager dès la fin du stream. Juste en dessous, normalement, il y a un petit espace commentaire. Donc, si vous avez des questions, on est en direct. Alors, avec les conditions sanitaires actuelles, évidemment, on peut pas organiser d'événements physiques. Hein, c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc, on a pris un peu l'habitude maintenant de faire ces événements virtuels. Les intervenants sont des vrais intervenants. La vidéo que vous voyez n'est pas une vidéo enregistrée. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions, de mettre de l'interaction dans ce meet-up. Donc, n'hésitez pas. On aura une petite période de Q&A à la fin. Si les questions sont pertinentes au moment où on parle, je les poserai directement à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos petites questions. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pour vous, pour adapter un peu la présentation, adapter ce qu'on va vous présenter et ce que nos intervenants de ce soir vont vous présenter. Donc, j'aimerais juste commencer cette présentation par un petit sondage sur l'espace commentaire juste en dessous. Donc, est-ce que vous pouvez me mettre un chiffre de 0 à 100 pour nous donner le nombre de clusters Kubernetes que vous avez en production dans vos environnements, dans votre société? Donc, 0, si vous en avez pas. Et si vous en avez pas, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse peut-être d'en avoir un ou d'en avoir plusieurs. Et puis si vous en avez déjà, donnez-nous le nombre que vous avez pour donner à nos experts la possibilité d'adapter un petit peu les réponses et la présentation qu'on va vous proposer. On est sur YouTube, donc on a besoin de votre soutien. Donc si vous aimez le contenu que vous voyez, n'hésitez pas, juste en dessous, il y a un petit pouce comme ça qui vous permet de nous soutenir. Donc n'hésitez pas. Et je vous propose de vous montrer cette belle présentation qui arrive, voilà, en plus grand, encore mieux. Donc en partenariat avec Splunk. Je vous propose de rencontrer l'équipe qu'on aura ce soir avec nous. On a Oliver qui est Senior Sales Executive chez nous. Bonsoir Oliver. Alors tu es en mute Oliver. Excusez-moi, pardon. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Oliver. On a également Arnaud Outier qui est Cloud Architect chez CloudRich. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et on a l'honneur du coup d'accueillir également Pierrick Planchon qui est avant-vente technique, notre expert de ce soir, qui va nous parler un petit peu de Splunk et de l'observabilité. Bonsoir Pierrick. Salut Thomas, bonjour, bonsoir à tous. L'honneur c'est un bien grand mot, mais j'essaierai de m'en montrer digne. Merci à tous d'être là. Et donc ce soir, ce dont on va parler, c'est l'observabilité. Donc Pierrick va vous présenter un petit peu ce que c'est l'observabilité, comment elle a été interprétée chez Splunk, comment tout ça est fait chez Splunk, et notamment au travers de l'ancien outil Synalefix qui a été acquéri par Splunk. Ensuite, on va vous montrer, et Arnaud va vous montrer les mains dans le cambouis, comment on raccorde un cluster Kubernetes à Splunk. Et une fois que ce raccordement sur ce cluster de démonstration sera fait, on va reprendre un autre cluster un peu plus fourni, on va dire, et c'est Pierrick qui va nous montrer un peu plus de fonctionnalités de l'outil Splunk. Et du coup, pour commencer, la traditionnelle petite introduction de CloudRich que Oliver va nous faire le plaisir de survoler. Ouais, c'est à moi qu'incombe cette lourde tâche. Donc on peut passer directement au slide suivant. On va commencer par vous présenter rapidement qui nous sommes et ce que nous faisons.
Alors, CloudRich, nous sommes une structure britannique à l'origine. On vient de fêter notre 11e année et on est à peu près plus de 850 personnes dans le monde. Nous avons été rachetés il y a quelques années par Blackstone, qui est un des plus gros fonds d'investissement américains que vous connaissez certainement. Ce qui nous a permis de nous développer fortement, notamment en Amérique du Nord, pour désormais avoir un peu plus de 15 bureaux, enfin 18 précisément, dans le monde, avec un tout petit dernier qui vient de naître à Pune en Inde. Nous sommes ce qu'on appelle une société cloud native ou born in the cloud, c'est-à-dire que dès le début, nous avons pris le parti de nous concentrer uniquement sur des sujets cloud publics. Et ce qui nous a permis de développer nos partenariats avec les trois plus grands cloud providers pour devenir top tier partner chez les trois, donc que ce soit AWS, Microsoft et Google Cloud. Pour obtenir ces plus hauts niveaux de certification, ça passe notamment par des compétences d'entreprise. Nous en avons de nombreuses chez la plupart des cloud providers, notamment la migration, la sécurité, le machine learning, les DevOps, pour ne citer qu'elles. Et également, alors on a sauté le slide, là je crois qu'on est plus sur le bon, je suis passé au suivant, pardon. Et également, au travers des différentes certifications, on en a un peu plus de 800 répartis différemment sur la plupart des cloud providers. Ces certifications sont en constante évolution parce que nos ingénieurs, étant des passionnés, restent évidemment à la page de toutes les évolutions techniques proposées par le cloud, et ça permet également d'avoir une plus grande visibilité auprès des cloud providers. On a une petite particularité également. Il y a quelques années, nous avons racheté un soft sur le marché qui s'appelle Cloudamize, que vous connaissez peut-être, qui facilite la migration vers le cloud, notamment en réalisant des assessments et en comprenant un petit peu mieux les interdépendances applicatives. C'est un soft que nous commercialisons et que nous continuons de développer en interne. On peut passer au slide suivant. Alors, qui nous sommes, c'est fait, ce que nous faisons. Donc là, ce que vous voyez, finalement, en fait, on a une offre end-to-end ou à 360 degrés, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Nous accompagnons nos clients dans leur journée vers le cloud. Ce qui est important, c'est que là, vous voyez nos 6 service lines, et chacune de ces service lines, finalement, est une étape dans cette transformation et dans ce voyage. Donc la première, advisory, c'est une service line où nous aidons. Donc c'est du conseil en stratégie go to cloud, du conseil sur la stratégie organisationnelle des clients. On les aide également pour la montée en compétences, et c'est plutôt des profils de cloud consultants sur cette service line. La deuxième, donc une fois que cette stratégie est clairement définie, on passe à la partie, à proprement parler, design, implémentation de landing zone notamment. On peut y intégrer des notions un peu plus technologiques comme le container ou Kubernetes. Et ce qui est important, c'est que tout ce que nous construisons est fait en infra as a code. Une fois que donc cette landing zone est construite, on passe à la troisième service line qui, comme son nom l'indique, est dédiée à la migration. Donc, nous aidons nos clients à réaliser des migrations à grande échelle. Et une fois que cette migration est effectuée, on peut se retrouver avec des applications qui ne sont pas du tout cloud native, ou du moins dédiées au cloud, ou qui peuvent être migrées de manière facile. Donc on intervient avec la quatrième service line qui est l'application development, et où on modernise ces applications de manière à ce qu'elles deviennent de ce fait cloud native. Donc, on est plus sur du refactoring ou replatforming. Si on monte un petit peu dans les couches techniques, on arrive à la cinquième service line, la data, où nous accompagnons nos clients dans le design et l'implémentation de data lakes ou de data warehouse, en y ajoutant des couches d'intelligence artificielle ou de machine learning, par exemple. Et la dernière service line, la partie Managed Services,
Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais nous avons une organisation en Follow the Sun avec trois centres opérationnels qui sont Vancouver, Édimbourg et Pune, le dernier notamment, ce qui permet d'avoir justement cette organisation en 24/7, de proposer à nos clients le maintien en condition opérationnelle de leur plateforme, tout en y ajoutant de l'optimisation à la fois technique et financière. Voilà pour les 6 service lines. Donc, c'est vraiment une vision high level de ce que nous pouvons proposer à nos clients. On peut peut-être passer à la dernière slide. On finit là-dessus, bien évidemment, parce que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents afin de répondre au mieux aux demandes en constante évolution de nos clients ou futurs clients. Donc, vous pouvez voir les quatre profils que nous recherchons, notamment sur le bureau parisien. Vous avez du cloud architect, alors on est plus sur la partie design des infrastructures, du cloud system developer qui sera dans ce cas précis beaucoup plus sur l'implémentation, du project delivery manager pour mener tous ces beaux projets de main de maître, et du cloud consultant, donc plutôt sur la partie conseil organisationnel. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur notre site et notamment sur la partie des careers et pourquoi pas nous prendre contact directement avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Je vais passer la main maintenant à Pierrick et je vous remercie pour votre attention. Super, merci. Alors du coup, ce dont on va parler tout de suite, c'est l'observabilité. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et donc sur la slide suivante, ce qu'on va voir, c'est la définition, on va dire le regroupement de Splunk, mais qui n'a pas été inventé par Splunk. Hein. C'est pas nous qui avons inventé le terme d'observabilité, même si aujourd'hui c'est un très beau buzzword qu'on entend un peu partout. L'idée, c'est de recentrer le débat sur exactement ce que ça veut dire, ce que ça implique, et donc quels sont les prérequis dont on va avoir besoin pour atteindre une observabilité qui soit, on va dire, state of the art, c'est-à-dire la meilleure possible. Donc ce qu'on a, alors en anglais ils appellent ça des verticals, des pillars, on va appeler ça les piliers en français, c'est les piliers de l'observabilité qui sont en fait des méthodes et des types de data qu'on va utiliser afin d'atteindre l'observabilité. Alors il y aurait peut-être débat entre des gens qui disent oui ça reste du monitoring, c'est pas forcément de l'observabilité, qu'est-ce que vraiment l'observabilité? Et en fait on va définir l'observabilité comme étant l'évolution naturelle du monitoring, c'est-à-dire dans des environnements de plus en plus complexes. Parce que bon, à l'époque, quand on avait nos architectures 3/3 avec simplement notre front-end Apache, notre back-end Tomcat, enfin notre base de données Oracle, je vais y arriver, et notre middleware Tomcat, il n'y avait pas vraiment de problématique. On savait exactement ce qu'on allait monitorer, les ressources CPU, 2-3 services, on allait faire peut-être 2-3 scripts, on était plutôt pas mal. On passe maintenant sur des architectures cloud avec du Kubernetes, avec des environnements containerisés, des providers cloud, alors ça peut être même du cloud privé, du cloud public, peu importe. Et donc là, tout de suite, on se retrouve avec énormément d'informations qu'on ne sait plus forcément comment gérer. Et donc, l'observabilité amène cette sérénité pour répondre à cette problématique. Donc, en gros, l'observabilité, ça sert à se dire, si vous ne savez pas forcément ce que vous surveillez, c'est pas grave. S'il y a un problème, vous serez capable de le détecter quand même. Et donc, c'est tout ça l'enjeu de l'observabilité. On n'est pas forcément obligé de savoir exactement tout ce qu'on va surveiller, tout ce qu'on va observer. L'important, c'est de s'assurer que s'il y a un souci, je sois alerté le plus rapidement possible, je puisse le résoudre le plus rapidement possible, alors soit manuellement, soit via de l'automatisation, je préfère toujours l'automatisation, mais voilà, c'est ça le challenge auquel on va répondre. Et donc pour faire ça, on va utiliser plusieurs types de données. Donc c'est ce que vous avez en fait à l'écran, vous avez à la fois la partie métrique, la partie trace et la partie log, et c'est l'ensemble des trois qui donne une plateforme d'observabilité qui soit complète. Alors il y a plein de solutions qui vont vous donner une partie, ou 2/3, et qui ne vont pas forcément vous donner les trois. L'idée, c'est une fois qu'on a les trois en combinaison, on est sûr qu'on est à peu près, bon dans un premier temps. Alors les métriques, pourquoi c'est important? Parce que c'est la métrique qui est la donnée qu'on va être capable de traiter le plus rapidement possible, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour se dire, est-ce qu'on a un problème? D'accord? Donc si, imaginons, on prend un exemple tout simple, hein, j'ai une valeur CPU, une valeur disque, mémoire, des choses assez hardware, si jamais j'ai une augmentation qui dévie de la normale ou si j'ai un seuil qui est transgressé, c'est une métrique qu'on va utiliser pour dire est-ce que oui ou non j'ai un problème. On peut avoir des métriques un peu plus business, par exemple vous êtes sur un site de retailer et vous voulez regarder le nombre de chaussures que vous vendez à la seconde, si vous passez à zéro, c'est une métrique quand même et cette valeur va vous dire attention, tu as un problème sur ta plateforme parce qu'on ne vend plus rien.
peut-être que vous n'avez pas les bons produits, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est, voilà, on utilise la métrique pour nous dire, est-ce qu'on a un problème, oui ou non. Donc, c'est vraiment le premier point. On va s'assurer d'avoir l'ensemble des métriques. Et donc, pour avoir l'ensemble des métriques, ça veut dire qu'il faut être agnostique à la source de la métrique. Parce qu'on peut avoir des métriques Prometheus, on peut avoir des métriques qui viennent d'un provider, donc CloudWatch, Azure Monitor ou Google Operation. On peut avoir des métriques qui sont totalement custom. Par exemple, le nombre de chaussures vendues à la seconde, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément techniquement, mais donc quelque chose qu'on va créer. Et donc, il faut être capable d'ingérer tous ces types de métriques pour pouvoir les utiliser comme on le souhaite. Donc, la métrique, est-ce qu'on a un problème, oui ou non? Une fois qu'on a détecté le problème, l'idée, ça va être de passer d'un point de vue applicatif pour se dire, bon, bah, maintenant que je sais que j'ai un problème, il faut que je sache d'où vient le problème. Alors, l'idée ici, c'est d'utiliser les traces en se basant sur l'open télémétrie et donc l'open tracing. Donc, l'open tracing étant maintenant faisant partie d'open télémétrie. Et donc, les traces vont nous donner l'information de comment est-ce que cette transaction utilisateur qui a posé problème s'est comportée au sein de mon application. Plutôt, on est plutôt sur des applications microservices dans ce cas-là, et à ce moment-là, on va être capable de dire bon, bah, c'est tel composant ou tel composant qui a posé problème. Est-ce que c'est, je sais pas, mon API Gateway, est-ce que c'est un back-end, un service de paiement, est-ce que c'est un service marketing ou autre, peu importe, qui a posé problème à ce moment-là. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir une trace qui va suivre bah, l'ensemble des microservices et l'ensemble des composants de mon application pour dire à un moment, bah, c'est celui-là qui pose problème. Et derrière, on va avoir la log qui, elle, historiquement, on a tous utilisé des logs hein, de façon empirique. On va sur notre terminal, on regarde ce qui se passe et on a l'information plus ou moins rapidement. Mais la log, du coup, va nous donner plus de contexte. C'est-à-dire que du coup, une fois qu'on sait quel composant pose problème, bah, il faut qu'on aille toujours plus loin et de se demander okay, pourquoi est-ce que ça pose problème. Donc là, on peut potentiellement avoir la root cause dès le début. Hein. Vous avez, je sais pas, un 401 ou ce genre de choses. Vous savez que vous avez des problèmes d'authentification. Ou alors, vous allez directement dans la log et là, vous avez plus d'informations. Vous avez les stack traces, vous avez énormément de choses puisque les logs, c'est quelque chose d'extrêmement riche et c'est même le cœur de métier de Splunk à la base. Parce qu'il ne faut pas oublier que la log, vous pouvez l'utiliser une même ligne de log pour énormément de choses différentes. Vous pouvez avoir un aspect sécurité qui va utiliser une ligne de log et derrière un aspect performance qui va utiliser la même ligne de log. Donc, c'est hyper important de toujours coupler ce qu'on voit avec ces logs-là pour être sûr qu'on a à la fin la visibilité complète. Et autour de ces trois piliers, on a deux choses qui vont transiter, qui vont être le Real User Monitoring, qui est l'acronyme RUM que vous avez à droite, et la partie Synthetic Monitoring, qui sont deux visions de l'expérience utilisateur qui permettent à la fois de savoir bah, un utilisateur réel, qu'est-ce qu'il fait sur mon application, est-ce que ça se comporte bien, est-ce qu'il est sur son téléphone, son Oppo qui date d'il y a 10 ans avec un réseau Edge, ou est-ce qu'il est sur le dernier iPhone, ce genre de choses. Tout simplement pour avoir une idée du contexte de comment est utilisée l'application. Déjà, ça, c'est toujours sympa parce que ça permet de voir quels sont les axes d'amélioration qu'on va pouvoir faire. Mais aussi, ça, on va le coupler avec une partie synthétique qui permet à la fois de voir en conditions idéales comment se déroule, comment se comporte l'application, et aussi dégager des axes d'optimisation. Si vous voyez que vous avez des headers qui ne répondent pas, des ressources qui sont inexistantes, vous avez mis un PNG au lieu d'un JPEG, et donc du coup votre image elle est beaucoup trop grosse sur votre site. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut améliorer, mais ça va être une partie plutôt RUM synthétique, qui sont des sujets qui sont liés à de la performance, mais qui vont graviter autour de ce qu'est l'observabilité dans son cœur, c'est-à-dire les trois piliers, les métriques, les traces et les logs. Alors sur la slide suivante, on va voir à qui on parle en fait quand on parle d'observabilité. Et l'idée, c'est qu'on parle à tout le monde. Quand on était en monitoring, on avait, bon, vous avez les admins, on était admin 6 à l'époque, on avait deux, trois choses à faire, il y avait les responsables d'infra, ce genre de choses. Aujourd'hui, comme on est passé sur un mode DevOps, dans le meilleur des cas, ou un peu hybride quand on est encore en phase de migration, on est sur quelque chose de totalement différent. Et comme on est sur le rapprochement des équipes, ça veut dire que tout le monde va avoir des rôles un peu transverses. C'est-à-dire que je suis développeur, oui, mais ça veut dire que je suis responsable de ce que je mets en production. Si j'en suis responsable, il faut que je m'assure que ça fonctionne correctement. Si il faut que je m'assure de ça, ça veut dire que je suis aussi responsable de la supervision de mon code. Si je suis SRE et que je vais m'occuper de toutes mes archives Kubernetes, je suis aussi responsable de comment est-ce que je vais superviser ces archives Kubernetes. Et donc finalement, c'est un sujet qui devient commun à toutes les équipes dans une entité d'observabilité, plutôt que de quand on était dans un mode monitoring traditionnel, sans que ce soit péjoratif, où vous aviez un ou deux experts qui s'occupaient de ça. Là, on est vraiment sur un sujet qui parle à tout le monde. Alors ça, c'est bien. Maintenant, l'idée, c'est de montrer comment ça fonctionne sous le capot. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une solution d'observabilité qui soit efficace, efficiente, pour n'importe quelle échelle, et pour surtout débloquer des nouvelles problématiques dont on va parler juste après, qui sont par exemple le temps réel. Donc sur la slide d'après, on a l'architecture de Splunk et de ce qui a été racheté en fait en tant que SignalFX. Donc moi, j'ai rejoint SignalFX il y a 2 ans en tant que premier employé basé en France. Et donc ça, c'est l'architecture
cœur de SignalFX qui aujourd'hui fait partie de Splunk. Donc si vous voyez des SFX qui traînent, on voit là il y a marqué en plein milieu SFX Quantizer, c'est simplement parce que les brevets sont toujours actifs, et donc du coup SFX faisant partie du nom du brevet, vous avez toujours ces noms qui sont présents. Donc là l'architecture elle n'est pas hyper complexe, mais elle est vraiment intelligente. Alors pourquoi elle est intelligente? Déjà parce que on peut très vite reconnaître une solution qui est faite pour de l'observabilité et une solution qui ne l'est pas forcément. Si un éditeur vous présente un slide d'architecture et puis vous avez un gros logo au milieu avec plein de choses qui pointent dessus, qui sont des intégrations, ça veut dire qu'à mon avis, l'architecture, elle n'est pas top. C'est un peu comme quand on fait du développement et qu'on a tous les objets qui pointent vers un seul gros objet, ça veut dire qu'on a un petit problème de conception. Bah là, c'est l'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe sous le capot, et plutôt que de montrer toutes les intégrations, on va plutôt se concentrer sur comment fonctionne la solution directement. Donc là, à gauche, vous avez les métriques qui vont arriver. Alors les métriques, on est totalement agnostique de la source de cette métrique. On veut se reposer sur énormément de technologies open source, tout comme sur des endpoints custom. Encore une fois, vous avez une stack Prometheus Grafana, vous voulez aller scraper des endpoints pour aller récupérer vos métriques Prometheus, on peut le faire. Vous voulez ingérer des métriques complètement custom, vous pouvez le faire. Vous voulez utiliser cette fois-ci des intégrations qui existent, hein, CloudWatch ou avec Docker ou avec GCP Azure, vous pouvez le faire aussi. On va récupérer toutes ces métriques-là et elles vont arriver dans la plateforme Splunk. Et au moment où elles arrivent, on va faire quelque chose qui est hyper important. On va extraire la métadonnée qui fait partie du payload en fait, qu'on a au moment où on récupère une métrique. Pourquoi c'est important? Parce que, encore une fois, architecture 3 tiers, vous récupérez une valeur CPU, quelles informations est-ce que vous avez attachées à ce CPU? Bah, peut-être le nom du serveur, le nom du data center, peut-être le nom de l'environnement, vous allez avoir quoi, peut-être 5 ou 10 métadonnées, 5 ou 10 tags, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont être attachées à cette valeur de CPU. Si on passe sur un mode cloud, et bah, rien que si on est sur un mode cloud, on a tous les tags du cloud provider. Donc vous avez tous les tags AWS, tous les tags GCP, tous les tags Azure. Donc là déjà, on explose déjà les compteurs. Et en plus, si vous êtes sur un mode Kubernetes, vous allez avoir le workload, l'ID du pod, l'ID du cluster. Vous allez avoir énormément de data qui vont du coup largement augmenter la taille du payload juste pour une valeur. Donc si j'ai ma valeur CPU, bah, du coup je me retrouve avec 35 ou 50 métadonnées qui transitent avec ça. Donc l'idée, c'est d'extraire cette métadonnée pour ne traiter que la valeur numérique. Et du coup, ce sera de toute façon plus rapide, plutôt qu'à chaque fois traîner cette fameuse information qui nous fait perdre du temps. Donc quand on va faire ça, on va donc extraire la métadonnée de ce qu'on va appeler la time series. Et la time series, on va la traiter de deux façons, dans le fameux quantizer dont je parlais tout à l'heure. Déjà, on va s'ajuster et on va s'adapter au lag qui peut apparaître quand on attend de la métrique. Alors je ne sais pas comment votre stack actuel fonctionne, puisque ce serait trop long de demander à tout le monde, mais globalement, quel est le comportement que vous avez défini si jamais, pour X raisons, vous avez une métrique qui est en retard? C'est-à-dire, j'attends le nombre de chaussures vendues par seconde. Si elle arrive normalement toutes les secondes ou toutes les 50 millisecondes, qu'est-ce qui se passe si, soudainement, au bout de 2 secondes, j'ai toujours rien reçu? Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est une question qui est hyper importante parce que derrière, tout l'enjeu et tous les impacts vont découler de cette même décision. C'est-à-dire que si je n'attends pas la métrique et que je considère que je la drop, bah, potentiellement, mon dashboarding va être faux, puisqu'il va être incomplet. Ma règle d'alerting va être erronée, puisqu'elle ne prendra pas des données exhaustives. Et donc, on peut avoir un ensemble de comportements, une réaction en chaîne qui va être déclenchée simplement parce qu'on n'a pas soit attendu suffisamment, soit parce qu'on a trop attendu. Donc, il faut trouver une solution pour faire en sorte qu'une métrique, on l'attend suffisamment de temps, sans pour autant déclencher des timeouts qui sont de l'ordre de 2 minutes, parce que sinon, derrière, ça ne sert plus à rien d'attendre 2 minutes pour savoir si notre cluster il a démarré. Autant le faire à la main avec un directement sur son terminal. Donc ce qu'on fait, c'est que pour chacune des métriques, donc c'est vrai si vous nous envoyez des milliards de métriques, ce sera vrai pour chacune de ces métriques, on va automatiquement calculer la prochaine valeur du max délai qu'on va s'autoriser pour la prochaine valeur de cette métrique. Donc ça veut dire que si la métrique arrive toutes les 50 millisecondes, on va peut-être dire quelque chose comme la prochaine valeur, on va l'attendre un maximum de 90 millisecondes pour s'assurer que la métrique est bien arrivée. Si la métrique suivante arrive à 90 millisecondes, et ben on va se donner encore un peu plus de temps pour la prochaine valeur. Et comme ça, en fait, quand on a une situation dégradée, on est capable d'anticiper, mais de toujours récupérer les métriques le plus rapidement possible pour s'assurer que ce qu'on a, en termes de dashboarding et en termes d'alerting, c'est correct, en fait. Et comme ça, on a des comportements qui sont logiques et on n'est pas en train de se demander « Ah mince, est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que j'ai raté des informations ?» Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que comme on va traiter la métrique et donc la valeur numérique sans ces métadonnées directement, ça permet en fait de pouvoir calculer à la volée
tout un tas d'intervalles. Donc ici, on va appeler ça des roll-ups. Donc les valeurs de cette métrique pour une seconde, une minute, cinq minutes, une heure, une semaine, etc. etc. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand j'ai besoin d'un dashboard historique, finalement, ce que je récupère, c'est simplement la valeur qui a déjà été calculée. Plutôt que de demander à ma grosse base de données, il faut que tu me recalcules tout ça et derrière d'avoir des opérations qui vont demander plus de temps et plus de processing. Donc on veut être efficace dès le début. On sépare les métadonnées parce que ça, c'est trop d'informations qui transitent, qui ne sont pas utiles pour l'instant. Et derrière, on ajuste de deux façons différentes le traitement, le pré-processing des métriques, à la fois en termes de lag et aussi en termes de roll-up et d'agrégation. Bon, ensuite, ça c'est la partie la plus simple. Ça c'est envoyé dans le bus de streaming, donc on utilise Apache Kafka là-dessus. Pas besoin de revenir là-dessus, tout le monde devrait savoir à peu près les avantages de ça. Et puis derrière, la partie très compliquée, que je ne vais absolument pas m'aventurer à expliquer, c'est le moteur analytics. Donc c'est là où vous avez tous les doctorants en mathématiques qui travaillent et qui s'arrachent les cheveux pour faire en sorte que tout le processing soit le plus rapide possible. Donc là, on a un gros brevet posé là-dessus qui permet en fait de débloquer toutes les capacités que vous avez à droite. Donc l'idée, c'est de, lorsque vous avez un cluster Kubernetes, vous démarrez un nouveau pod, en 3 secondes, vous l'avez sur votre UI. D'accord ? On est sur des temps qui sont extrêmement courts. Pourquoi ? Parce que forcément, si vous attendez, potentiellement, vous allez rater des choses, vous allez avoir des catastrophes qui peuvent apparaître assez rapidement, alors qu'on peut très bien les anticiper en se disant, je lance mon cluster, je vois tout de suite si oui ou non ça marche, je suis capable de faire un rollback, je suis capable d'anticiper, ou je suis capable de créer de l'automatisation. On a un client en Splunk qui démarre 20 000 conteneurs tous les jours. Leur SLA, c'est qu'en 10 secondes, ils doivent être capables de dire s'ils doivent être capables de faire un rollback. Donc forcément, si vous avez ce genre de problématique, mais que derrière, vous avez une solution d'observabilité ou de monitoring qui vous dit, ma résolution maximum, c'est une minute, c'est pas très compatible. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que le streaming avec le temps réel, ça vous permet d'arriver à ce genre de choses. J'ai un problème, je le vois en 3 secondes. J'ai un problème, je le vois en une seconde et demie. C'est un peu la différence qu'on avait à l'époque entre Vidéo Future et Netflix. Quand vous vouliez louer un film chez vous, vous faisiez quoi avant? On prend sa voiture, on va chez Vidéo Future, on prend une pizza et un McDo pour la famille s'ils ont demandé. Puis on rentre chez soi, on a les DVD, on les met, et puis après on regarde le film qu'on veut, et puis après il faut les ramener, etc. Bon, un peu galère. Aujourd'hui, vous mettez sur votre canapé, vous allumez votre télé, vous avez Netflix directement. C'est la même idée. Les architectures un peu à l'ancienne qui fonctionnaient très bien pour des petites échelles, c'est le vidéo futur, et aujourd'hui vous avez des architectures basées sur du streaming et du temps réel, parce que streaming ne veut pas forcément dire temps réel, il faut coupler les deux. Ou là vous avez du Netflix et vous avez l'information tout de suite. C'est hyper important de comprendre ce que ça implique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire du streaming, mais tout le monde ne fait pas du streaming avec du temps réel. Je peux très bien utiliser Kafka et en fait déclencher un batch, c'est pas pour autant que je ferai du temps réel. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le temps réel couplé au streaming. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'explications, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Si vous en avez pas, et au pire, on y reviendra plus tard, je vais laisser la main à Arnaud, qui va du coup vous montrer comment est-ce qu'on va raccorder tout ça à un Splunk, à un cluster Kubernetes. Merci Pierrick pour cette introduction sur l'observabilité. Alors moi, je vais vous proposer de rentrer tout de suite dans le concret, comme promis, en procédant au raccordement automatisé d'un cluster Kubernetes à Splunk Infrastructure Monitoring. Alors, pour faire ça, j'ai besoin d'un cluster Kubernetes en premier lieu. Et pour déployer un cluster, il me faut une infrastructure, il me faut des serveurs. Et comme vous avez pu voir pendant l'introduction d'Oliver, chez CloudRich, on aime bien le cloud. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que mon cluster Kubernetes, je l'ai déployé dans le cloud, et en particulier sur AWS. Donc je vous ai fait un petit schéma ici pour vous expliquer rapidement l'infrastructure de mon cluster, parce que c'est quand même intéressant de savoir comment tout ça fonctionne. Alors, quand on déploie sur AWS, la première chose qu'on a à faire, c'est à choisir une région, d'accord ? Donc une vraie région physique, qui permet de définir à quel endroit on veut que nos ressources soient déployées. Et donc, moi, j'ai choisi de déployer dans la région EU West One, donc qui est la première région d'Europe de l'Ouest, à savoir l'Irlande. D'accord ? Donc, mes ressources sont physiquement localisées en Irlande. Ensuite, une fois que j'ai choisi une région, je dois créer un VPC. Donc, un VPC, c'est l'élément de base qui me permet d'avoir mon réseau privé dans AWS, qui est isolé du reste du cloud AWS. Donc je crée mon VPC ici dans AWS. Ensuite, une fois que j'ai un VPC, il me faut des sous-réseaux, donc des subnets. Et là, on distingue deux types de sous-réseaux. On a les sous-réseaux publics, en vert ici, et les sous-réseaux privés. Donc un sous-réseau public, c'est quoi ? C'est tout simplement un sous-réseau qui est accessible depuis Internet. Donc les ressources
qui sont déployés dans ce sous-réseau ont des adresses IP publiques, donc qui sont routables depuis Internet et qui sont accessibles depuis Internet. Et puis, pour des raisons de sécurité, on crée aussi des subnets privés, donc qui sont des sous-réseaux non accessibles depuis Internet. Donc, les ressources déployées dans ces sous-réseaux ont des adresses IP privées, donc qui ne sont pas accessibles depuis Internet, mais qui peuvent accéder à Internet au travers d'une NAT gateway, donc qui est déployée dans le subnet public, qui se charge de faire la translation des adresses IP privées en adresses IP publiques. D'accord ? Donc, mes ressources dans mes réseaux privés ne sont pas accessibles depuis Internet, mais ont accès à Internet au travers des NAT gateway et de l'Internet gateway ici qui me permet de sortir du réseau AWS. Voilà, donc j'ai mes subnets. Alors, la bonne pratique également, c'est de répartir ces ressources en différentes zones de disponibilité. Donc ici, j'en ai mis trois. Donc une zone de disponibilité, qu'est-ce que c'est ? Ben, ce sont des zones physiques qui sont isolées les unes des autres, de telle sorte que si une zone n'est plus disponible, si une zone tombe, elle n'impacte pas les autres. Donc c'est une bonne pratique de répartir ces ressources AWS sur différentes zones de disponibilité afin de maximiser la disponibilité de ces ressources. C'est-à-dire que si une zone tombe, mon service sera toujours disponible parce que je serai déployé dans d'autres zones de disponibilité. Voilà, donc ici j'ai choisi de déployer mes ressources dans trois zones de la région d'Irlande, donc zone A, B et C. Ensuite, donc voilà, donc là j'ai toute mon infrastructure réseau disponible. Ensuite, je veux créer un cluster Kubernetes. Alors ce que j'ai fait, ce qui est recommandé de faire, ce qui est le plus simple aujourd'hui, c'est d'utiliser un service managé. Donc, à savoir, sur AWS, le service s'appelle EKS, Elastic Kubernetes Service, qui me permet de déployer un cluster Kubernetes sans avoir à gérer moi-même la ressource du master, voire même les nodes, les worker nodes, ce qui simplifie quand même beaucoup les choses. Donc ici, je crée mon cluster EKS et je le rattache à mon VPC en Irlande. Et ce que je fais, c'est que mon cluster Kubernetes, il a besoin de worker nodes pour fonctionner, c'est-à-dire de serveurs, hein, de machines virtuelles, sur lesquelles exécuter mes pods et mes conteneurs. Donc je crée un worker node, donc une EC2, dans chacune de mes zones de disponibilité, dans les subnets privés de mes zones de disponibilité. Donc ici, voilà, j'ai trois worker nodes. Voilà l'infrastructure de mon cluster Kubernetes, pour faire très simple et très rapide. Et alors, ce que j'ai fait, parce que, comme vous l'avez vu en introduction, chez CloudReach, on aime bien faire les choses propres. Donc, quand on fait de l'infrastructure, on préfère faire du code, parce que c'est plus simple à créer, c'est plus simple à déployer, à dupliquer, à maintenir, etc. Donc, j'ai créé toute cette infrastructure en Terraform, ici. Terraform présente un gros intérêt sur ce genre d'infrastructure. Je vous en parlerai dans quelques instants. Je vous montrerai le gros intérêt de Terraform. Mais ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est du coup de vous montrer mon code rapidement. Donc ici, vous devez voir mon écran normalement. Voilà. Donc ici, j'ai mon code Terraform. Alors, quand je veux faire du Terraform, la première chose à faire, c'est de définir un provider. Donc un provider, c'est quoi ? Ça permet de dire à Terraform dans quel système on veut créer nos ressources. D'accord ? Quel est le réceptacle de nos ressources ? Donc ici, on veut créer des ressources dans AWS. Donc je définis mon provider AWS. Et le seul paramètre que j'ai précisé, c'est la région. Comme je vous ai dit, j'ai choisi la région d'Irlande. Donc ici, je lui passe la région, qui est dans une variable définie ici. Et ma région, c'est EUS1, donc l'Irlande. Voilà. Tous mes credentials et mes secrets pour accéder à AWS sont définis dans mon environnement. Je ne les ai pas mis directement dans Terraform. Elles sont définies dans mes variables d'environnement, donc je ne vous les montre pas parce que c'est secret, mais c'est de façon traditionnelle. Quand on accède à AWS, on définit un client ID, un client secret. Donc voilà, j'ai défini mon provider. Donc ensuite, toute ma partie réseau est définie ici dans mon fichier network. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un module Terraform. Donc un module, à quoi ça sert ? Un module, ça sert un petit peu à nous abstraire de toute la complexité sous-jacente. Parce que là, pour déployer toute cette infrastructure, j'ai besoin de créer donc un VPC, différents subnets, des NAT gateways, des Internet gateways, etc. J'ai plein de ressources à créer. Mais pour me faciliter un peu la tâche et m'abstraire toute cette complexité, j'ai utilisé un module Terraform, qui est en fait un module disponible publiquement hein, dans le registre de Terraform et qui me permet de créer un VPC AWS d'une façon, avec une architecture typique d'un VPC.
Donc voilà, donc j'ai déclaré ce module et je lui ai passé un certain nombre de paramètres pour définir l'infrastructure que je voulais. Donc je lui ai passé le CIDR de mon VPC. Donc le CIDR, c'est quoi? C'est tout simplement la plage d'adresse IP qui va être utilisable dans mon VPC. Donc ici, j'utilise à nouveau une variable VPC CIDR, donc qui est définie dans mon fichier variable ici. Voilà, donc là, j'ai le bloc d'adresse IP de mon VPC. Je définis également la liste des zones de disponibilité dans lesquelles je veux déployer mes ressources. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère dynamiquement les zones de disponibilité qui sont accessibles dans ma région. Pour ça, j'utilise un data source qui est défini ici et qui permet simplement de dire à Terraform, va me récupérer toutes les zones de disponibilité qui sont au state available en Irlande. Voilà. Ensuite, je définis mes private subnets, public subnets. Donc là, j'ai juste à définir une plage adresse IP pour chacun de ces subnets, qui est définie également ici. Voilà, donc là, j'ai défini trois plages adresse IP parce que je vais définir trois subnets privés. Et de la même façon, je définis trois subnets publics ici. OK, j'ai créé mes subnets. Donc après, je précise au module que je veux créer une NAT gateway, que je crée des NAT gateways, donc une dans chacun de mes subnets publics, pour permettre à mes subnets privés d'accéder à Internet. Et ensuite, je positionne des tags sur mes subnets, à la fois les subnets publics et privés. Donc, pourquoi je positionne ces tags? C'est pour, par la suite, dire à Kubernetes que ces subnets peuvent être utilisés par lui. Donc, il peut déployer des ressources dans ces subnets pour déployer les différents services que je vais lui donner. Donc, en l'occurrence, là, je précise que sur mes subnets publics, je l'autorise à créer des ELB, donc des load balancers publics. Et dans mes subnets privés, je l'autorise à créer des load balancers internes, donc des load balancers privés à mon infrastructure. Voilà, donc là, avec ces simples lignes de code, j'ai créé toute mon infrastructure réseau ici, AWS. Mon cluster Kubernetes, je le crée de la même façon, dans mon fichier EKS. Donc là, de la même façon, j'utilise un module Terraform public, qui est le module EKS AWS. Je précise la version. Et donc, je lui précise un certain nombre d'autres informations. Donc, je lui donne un nom de cluster, qui est une variable à nouveau. Mon nom de cluster, je l'ai précisé ici, EKS cluster. Je lui précise la version de Kubernetes que je veux utiliser, à savoir la 1.18. Je lui précise les logs que je veux activer pour mon cluster, donc API, audit, authenticator, etc. Je lui donne la liste de subnets que je veux utiliser pour déployer mes workers. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère dynamiquement les subnets qui ont été créés par mon module VPC, les subnets privés, pour déployer mes workers dans les subnets privés uniquement. Je lui passe également l'ID du VPC pour lui dire de déployer mon master EKS dans le VPC que j'ai créé précédemment. Je lui passe une map de user, donc là c'est pour préciser quels sont les utilisateurs IAM, donc à savoir les utilisateurs de mon compte AWS, qui seront ajoutés au rôle master de mon EKS, de mon cluster Kubernetes. En synthèse, c'est pour définir la liste des utilisateurs AWS qui sont autorisés à administrer mon cluster Kubernetes. Et enfin, je définis mes node groups, donc un node group, donc qui est mon groupe de workers, que j'appelle worker group 1. D'accord. Et je lui définis le type d'instance et la capacité que je veux pour mon node group. Donc, mon type d'instance est défini ici. Donc, je prends des instances T3 small, hein, qui sont des EC2, donc des machines virtuelles avec de mémoire 2 CPU et 2 Go de RAM. Et je précise dans le désiré de capacité que j'en veux 3. Donc, je veux qu'il déploie 3 worker nodes ici, comme sur le schéma. Voilà, j'ai défini mon infrastructure. Alors ça, j'ai déjà déployé avant le meetup parce que créer un cluster Kubernetes, ça prend un petit peu de temps forcément. Il y a pas mal de ressources à déployer. Donc sur AWS, il faut compter un bon petit quart d'heure pour déployer cette infra. Et là, elle est déployée. J'ai déployé juste avant le meetup. Donc je peux vous la montrer. Si je vais dans la console AWS, ici, je vais dans le service EKS. La liste de mes clusters, voilà. Et je vois mon EKS cluster en version 1.18 qui dispose de 3 workers, donc qui sont des instances T3 small qui appartiennent au worker group 1.
Voilà, donc j'ai mon infrastructure, j'ai mon cluster qui tourne. Maintenant, ce qui me manque quand même, un élément essentiel, c'est qu'un cluster Kubernetes sans application, ça ne sert à rien du tout. Donc, j'ai besoin de déployer une application de démo sur mon cluster. Donc, je vous propose l'application suivante, hein, très simple, mais assez réaliste. Donc, je déploie des pods, des conteneurs que j'ai appelés serveurs, donc qui est une application qui expose une API HTTP REST à l'extérieur, donc au travers d'un load balancer. Donc j'expose une API HTTP publique à Internet au travers d'un load balancer qui répartit la charge sur mes trois instances de serveurs. Et ce que je fais, c'est que pour avoir un peu d'activité sur mon serveur, comme je n'ai pas beaucoup de gens qui consomment vraiment mon service, bah, j'ai également déployé une application qui s'appelle Client, qui vient consommer mon API comme on le ferait depuis l'extérieur, en interrogeant donc le nom DNS public de mon load balancer en boucle, voilà, pour avoir de l'activité à la fois sur mon cluster, sur mes serveurs, sur toute mon infrastructure. Voilà, et ce que j'ai fait, c'est que cette infrastructure, donc cette application, je l'ai également déployée avec Terraform. Donc, ce qu'on fait de façon classique avec Kubernetes pour déployer une application, c'est qu'on utilise l'utilitaire kubectl, on lui passe un YAML en entrée avec la description de notre application, et l'application est déployée. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé un petit peu plus loin. C'est comme j'avais utilisé Terraform pour mon infrastructure, je trouvais ça un peu plus élégant d'utiliser également Terraform pour déployer mon application. Et ça me permet d'avoir au final un seul outil à lancer pour déployer à la fois mon infra et mon applicatif. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau des providers, ben, j'ai défini un autre provider, et c'est là tout l'intérêt de Terraform dans ce type d'architecture, c'est qu'on peut à la fois provisionner des ressources dans AWS et dans Kubernetes, qui est lui-même déployé dans AWS, au sein d'un même code source. Et donc ici, je décris mon provider Kubernetes, donc je dis à Terraform de créer des ressources dans Kubernetes, dans un cluster qui a été créé par le module, par le provider AWS juste au-dessus. Donc, dans les informations de connexion à mon cluster Kubernetes, je lui passe des informations qui ont été créées précédemment dans AWS. Donc, en particulier, je lui passe le endpoint de mon cluster, le certificat racine de mon cluster et le token d'authentification à mon cluster. Et ensuite, je décris mes services ici, mes services Kubernetes. Donc, d'abord, je crée un namespace Kubernetes, donc un espace de nommage dédié à mon application, pour isoler mon application du reste de mes workloads de Kubernetes, donc un namespace que j'appelle app. Ensuite, je crée un déploiement Kubernetes que j'appelle server deployment. Donc là, je déploie mon application serveur, d'accord, dans le namespace que j'ai créé juste au-dessus, le namespace app. Je déploie trois réplicas de cette application. Mon application, je la récupère au sein d'un registry Docker qui est dans le service ECR de AWS. Donc ECR, c'est le service de registry Docker offert par AWS, donc un service de registry privé dans mon cas, dans lequel j'ai pushé une image qui s'appelle serveur ici. Donc là, je viens récupérer mon image serveur, je la démarre dans mon cluster et j'expose le port 80 à l'extérieur de mon pod. Je déploie également un service Kubernetes, donc pour exposer mon service à l'extérieur. Donc je l'ai appelé serveur service. Je fais référence, donc je le déploie toujours dans mon namespace application. Et je précise que ce service expose mon serveur deployment que j'ai créé juste au-dessus. D'accord ? Il expose le port 80 de ce service à l'extérieur, sur le port 80 également, au travers d'un load balancer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai déployé cette partie-là, le load balancer qui expose le serveur à l'extérieur. Et dernière chose que j'ai à faire, bah, c'est de déployer mon client. Donc je redéclare un déploiement Kubernetes que j'appelle client deployment. Donc là, cette fois, je déploie mon conteneur qui s'appelle client, ici. Et je lui passe juste en paramètre une variable d'environnement qui correspond à l'adresse publique de mon service serveur ici. Donc je lui passe en paramètre le endpoint ici pour que mon serveur puisse interroger le nom public de mon API serveur.
OK, donc cette workload est déjà déployée sur mon cluster, donc je peux vous la montrer. Ici, dans la console, si je clique sur workload, donc on peut voir que j'ai mes pods système de Kubernetes, donc le DNS, le pod de management AWS, le Kube Proxy, et donc j'ai également dans mon namespace app mon client deployment et mon serveur deployment qui tourne ici. Donc j'ai 2 pods pour le client et 3 pods pour le serveur. OK. Ce qui est pas mal aussi avec le module Terraform EKS, c'est que j'ai un fichier kubeconfig qui est généré, qui contient toute la config pour me connecter à mon cluster avec l'outil kubectl. Donc ce que j'ai juste besoin de faire ici, c'est définir la variable kubeconfig, me faisant pointer sur mon fichier local kubeconfig qui a été généré par Terraform. Là, maintenant, avec kubectl, me connecter à mon cluster et par exemple lister les pods qui tournent sur mon cluster. Voilà. Donc là, de la même manière que dans la console, j'ai listé pour le namespace app. Donc on voit que j'ai 2 pods clients, 3 pods serveurs et mes pods système Kubernetes. Voilà. Je peux également lister les services. Voilà. Donc là, je vois que j'ai dans mon namespace app, j'ai mon serveur service qui tourne, qui est de type load balancer, et qui a ici un nom de domaine DNS public que je peux copier, que je peux mettre dans mon navigateur en HTTP. Là, j'accède à ma magnifique API qui me retourne un message avec une chaîne random très très longue. Voilà, donc j'ai bien un service qui est exposé sur Internet. OK, donc je suis content. Là, donc j'ai mon infrastructure, j'ai mon cluster Kubernetes, j'ai une workload qui tourne. Mais en fait, j'ai un problème, c'est que ce service marche bien, mais j'ai mes utilisateurs qui me retournent un problème, c'est que, passé un certain temps, j'ai mon infrastructure qui n'est plus disponible, j'ai mon service qui n'est plus accessible, mon serveur ne répond plus. Moi, ce que je vois, c'est que ce que j'ai besoin de faire pour rétablir la situation, c'est de détruire mon serveur et de le repousser, de le recréer. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Je manque un peu de visibilité sur mon cluster, là, donc ce que j'ai décidé de faire, j'ai entendu parler de l'observabilité. Je suis allé sur Internet, sur Google, j'ai tapé Splunk, infrastructure monitoring. Voilà, j'ai passé les annonces au début, hein, c'est de la pub. Hop, j'arrive sur le vrai lien un peu sérieux. J'arrive sur le site de Splunk. Et là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai moyen de créer un environnement de test. Donc ici, je clique sur Free Trial. Et je peux avoir un environnement de test Splunk Infrastructure Monitoring, donc en mode SaaS, qui est valable pendant 15 jours. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué là-dessus, je me suis inscrit. J'ai rien payé, c'est juste, c'est gratuit. Et après, j'arrive ici, donc on me fournit des identifiants à mot de passe, et j'ai accès à Splunk Infrastructure Monitoring pour faire mes tests. D'accord ? Donc là, j'arrive sur la version de base, où il n'y a rien dessus, hein. Et ce qui me reste à faire, bah, c'est à raccorder mon cluster Kubernetes à ce service Splunk Infrastructure Monitoring. Donc là, on en arrive au vif du sujet. Comment on raccorde Splunk Infrastructure Monitoring à un cluster Kubernetes? Bah, on fait comme ça. Regardez, je vous remonte parce qu'il y a quand même un petit effet là qui est pas mal. Pour raccorder mon cluster à Splunk, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est déployer un agent donc, qui s'appelle SFX Smart Agent, donc là on retrouve le nom SignalFX. SignalFX Smart Agent, je dois le déployer sur mon cluster. Il va s'installer sur chacun de mes worker nodes qui existent. Il va collecter les métriques de mon cluster, de mes nodes, et il va les pousser dans le cloud de Splunk au travers d'Internet, donc via mon infrastructure que j'ai mise en place ici, ma NAT Gateway, mon Internet Gateway. Il va pousser régulièrement ces métriques vers le service SaaS de Splunk. Et ça va me permettre de les consulter directement depuis Internet. Ici, je pourrais consulter mes métriques dans Splunk. Alors, pour déployer cet agent, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle Helm. Alors, Helm, c'est quoi en deux mots? C'est l'outil de gestion de paquets de Kubernetes.
C'est, en gros, c'est un outil qui va me permettre de m'abstraire un peu la complexité de Kubernetes quand je veux déployer des applications sur un cluster existant, pour pas avoir à gérer toute la complexité sous-jacente des déploiements, des services, des daemon sets, etc. de Kubernetes. Eh bien, toute cette complexité est décrite dans ce qui s'appelle un chart Helm. Et à partir de ce chart, je vais pouvoir pousser une application sur mon cluster sans savoir vraiment comment cette application fonctionne. Donc, ça va grandement me faciliter la tâche. Donc, on va faire ça. Et puis, comme je suis un peu têtu, c'est que Helm, je ne l'ai pas utilisé directement en ligne de commande. Je l'ai à nouveau encapsulé dans Terraform, toujours pour avoir un seul et unique outil de déploiement de toute mon infrastructure, mon application, mon monitoring. D'accord. Donc, on va le faire ensemble. Donc, ici, on rajoute un nouveau provider qui est le provider Helm. Donc, je ne déploie pas directement dans Kubernetes. Je déploie dans Kubernetes au travers de Helm. Donc, je crée un nouveau provider, donc, qui est un provider pour Kubernetes. Voilà. Et comme c'est juste une surcouche, ben, en fait, il prend exactement les mêmes paramètres que mon provider Kubernetes. Donc, j'ai juste à faire un copier-coller ici. Je passe à Helm les infos de connexion à mon cluster, le host, le certificat racine et le token de connexion. Voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau fichier, Splunk. Voilà. Et là, je vais faire un petit copier-coller si vous voulez bien, parce que j'ai quand même un tout petit peu préparé le truc. Hop. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais déployer un objet de type Helm, donc qui va utiliser mon provider Helm et qui s'appelle une release. Je l'appelle SignalFX agent. Et là, ce que je fais, c'est que je vais récupérer mon chart Helm, donc le descriptif de mon application Helm, je les récupère sur le repository public de SignalFX, donc dl.signalfx.com. Je précise l'URL de mon repository et je précise le chart que je vais installer, qui s'appelle SignalFX agent. Voilà. Je précise le nom de ma release, donc je l'appelle SignalFX agent. Un namespace, donc il est bon goût de déployer cette application dans un namespace séparé pour le cloisonner du reste de mes workloads Kubernetes. Donc je le déploie dans un namespace que j'appelle Splunk et je précise à Helm de créer ce nouveau namespace. Et ensuite, donc ça c'est propre à mon chart SignalFX, j'ai besoin de trois paramètres obligatoires qui sont le nom du cluster, l'access token SignalFX et le realm SignalFX. Donc le cluster name, c'est le nom de mon cluster Kubernetes qui va apparaître dans l'interface de Splunk. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma variable. Donc ici, j'ai une variable, je ne sais plus où, voilà. EKS cluster name. Je la précise ici. Voilà, je reprends le nom de mon cluster. Après, le SignalFX access token. Alors là, je le récupère dans mon environnement Splunk de démo. Je vais dans My Profile ici. Je descends, voilà, et ici j'ai un access token par défaut qui m'a été créé avec mon environnement. Ici, je fais show token, copy, et je le colle ici, entre côtes, voilà, c'est mon token d'accès, qui est propre à mon environnement. Donc c'est un secret, hein, mais voilà, il sera supprimé à la fin du meetup. Et ensuite, je dois préciser le realm SignalFX, donc le domaine dans lequel je vais pousser mes métriques. Donc, c'est dispo juste à l'écran précédent. Ici, il y a le realm, le U0. Je le colle ici, voilà. Voilà, donc là, dans l'absolu, je ne donne rien d'autre pour déployer mon chart Helm. J'ai mis tous les paramètres obligatoires. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu plus loin et je vais un petit peu customiser le fichier de conf du chart Helm de SignalFX qui est dispo ici sur GitHub de façon publique, hein, sur GitHub de SignalFX. J'ai un fichier de conf avec un ensemble de valeurs par défaut que je peux customiser. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce fichier de conf, je vais le télécharger ici. Je prends son URL. Je colle ici. Je télécharge dans un fichier que j'appelle splunk-values.yaml. Voilà. Le fichier est là. Donc là, je vais juste customiser deux petits trucs. Donc, il y a tout un tas de paramètres avec une explication à chaque fois sur quelle est l'utilité de ce paramètre. Voilà, pour nous laisser la possibilité de modifier le comportement par défaut de l'agent.
et je vais juste modifier deux petits paramètres. C'est celui-ci, le métrique intervalle seconde. Donc là, c'est le nombre de secondes entre deux métriques qui sont poussées par l'agent vers le service SaaS de Splunk. Donc pour avoir un environnement un peu plus réactif, je vais le passer de 10 secondes à 1 seconde pour avoir des métriques qui remontent tout de suite. Et ce que je vais faire aussi, c'est que tout à la fin, voilà, ici, je peux configurer ce qu'on appelle des monitors. Donc, c'est en quelque sorte les process qui permettent à l'agent de récolter des métriques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais customiser un de ces monitors. Voilà. Je vais customiser le monitor qui s'appelle Kubelet Metrics, qui me permet de récupérer les métriques de mon API Kubelet Kubernetes au niveau de mes workers. Je la customise parce que ici, par défaut, en fait, elle utilise le port 10255 de mes workers. Et il se trouve que dans le service manager Kubernetes de AWS, ce port est fermé. Et donc, il faut plutôt utiliser le port 10250. Voilà. Et ça, c'est vraiment propre à mon choix d'infrastructure AWS. Donc, je dois customiser cette partie-là. Tout le reste des paramètres est laissé par défaut. Voilà, donc j'ai customisé ma conf. Je vais juste du coup lui préciser ici la conf à prendre dans le paramètre values. Donc, je vais lui dire de charger le fichier. Ça s'appelle du coup values.yaml. Okay, voilà. Ok, bah c'est bon, j'ai créé mon provider, j'ai créé ma release Helm, j'ai mon fichier de conf, donc je vais pouvoir déployer. Donc ici, je refais un Terraform init. Terraform init va permettre à Terraform de récupérer les binaires de mon nouveau provider Helm. Voilà. Là, il a téléchargé les binaires de Helm parce que je lui ai rajouté un nouveau provider. Ensuite, je peux faire un Terraform apply pour déployer mes nouvelles ressources. Alors là, ça ne devrait pas être trop long, mis à part le fait que je suis en train de streamer en même temps et que mon PC a un peu de mal à suivre. Normalement, c'est très rapide. Mais de toute façon, vu que on est tous sous couvre-feu, on n'a pas grand-chose d'autre à faire en ce moment, donc on peut attendre en 3 petites secondes. Voilà. Donc là, il a vu que j'avais une ressource à créer. Je valide. Il crée l'agent signalé fixe. Là, ça ne devrait pas être long du tout. 10 secondes quand même. Ça commence à être un petit peu long, mais ça va venir. Voilà, 17 secondes. C'était quand même raisonnable. Donc là, il a déployé l'agent signal FX dans mon cluster Kubernetes. Alors voyons voir ce que ça donne au niveau de la console AWS, au niveau de ma workload. Je rafraîchis. Voilà. Et donc là, j'ai maintenant le signal FX agent qui est apparu dans le namespace Splunk. Donc c'est un objet de type demand set. D'accord. Donc ça, je ne le savais pas, c'était précisé dans le chart Helm. Donc il m'a créé un demand set, voilà, et il l'a déployé sur trois pods. Je peux le voir également dans la ligne de commande kubectl, getpods-a, pour afficher tous les namespaces. Voilà, donc là j'ai le nouveau namespace Splunk avec les trois pods SignalFX agent qui tournent. Donc il m'en a déployé trois. Pourquoi ? Ben parce que j'ai trois worker nodes dans mon infrastructure. Donc là, c'est tout l'intérêt aussi des charts Helm, c'est qu'il s'adapte un peu dynamiquement à l'infrastructure qu'on a. Donc il a déployé autant d'agents que j'avais de worker nodes parce qu'il a besoin de collecter les métriques sur chacun des worker nodes. Ok, donc là c'est déployé. Et donc ce qui se passe, c'est que maintenant que c'est déployé, ben, les agents sont déjà en train de pousser les métriques à Splunk Infrastructure Monitoring. Donc, je vais retourner dans ma console Splunk Infrastructure Monitoring, qui est ici. Voilà. Dans Infrastructure, je vais dans Cluster Map. Voilà. Et là, ce qui est déjà très sympa, c'est que j'ai une représentation visuelle de mon cluster. Donc là, le grand cadre bleu, c'est mon cluster. Je vois mes trois nodes. Et à l'intérieur, j'ai mes pods qui tournent. Alors là, je vais vous faire un rapide tour d'horizon de la console Splunk. Pierrick vous montrera plus en détail, mais ce que je vous propose en petit challenge pour ceux qui nous écoutent, c'est au travers des écrans que je vais vous montrer là, essayer de trouver ce qui ne fonctionne pas sur mon cluster, essayer de me dire pourquoi mon cluster plante.
Voilà, vous allez le voir dans les métriques que je vais vous montrer. Donc, si vous trouvez la solution, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires du stream. Donc, ici, ce qui est pas mal, donc j'ai mon cluster, j'ai une représentation visuelle de mon cluster. Et ce qui est sympa, c'est que je peux faire du drill down, c'est-à-dire je peux zoomer ici sur un worker en particulier, par exemple celui-ci. Voilà, donc là, j'ai zoomé sur un worker. Et ici, sur la droite, j'ai tout un tas d'informations sur les propriétés de mon worker, les workloads qui tournent dessus, la CPU consommée sur ce worker, la mémoire utilisée sur mon worker ici, le réseau en entrée, en sortie. Voilà. Et les containers qui tournent. Et ici, je peux encore zoomer. Donc, j'ai tous mes pods qui tournent. Donc là, mon serveur, mon agent signal FX, mon DNS, etc. Donc, je peux zoomer ici encore sur mon serveur, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai les propriétés de mon pod. J'ai la CPU consommée. J'ai la mémoire utilisée par mon pod. J'ai le réseau, etc. Et je peux encore zoomer sur le conteneur qui est dans mon pod ici. Voilà, je peux encore faire du drill down pour avoir les infos de mémoire de mon conteneur, précisément, et les informations de mon conteneur. Voilà. Donc, cette vue est assez sympa. Après, au niveau des nodes, voilà, j'ai un écran node aussi où je vois un peu plus d'informations sur mes nodes, les CPU utilisées, la mémoire, le disque, etc. J'ai ma workload avec un peu plus d'infos là sur le nombre de pods de chaque élément qui compose ma workload. Au niveau de notes détails aussi, j'ai des infos sur mes nodes, donc le CPU, la mémoire ici, le réseau en entrée, en sortie, et je peux filtrer sur un pod en particulier, sur un worker en particulier, pardon, voilà. Donc là, j'ai filtré sur un worker. Dans workload detail aussi, j'ai des infos sur ma workload, je peux filtrer sur un namespace en particulier, par exemple mon application. Voilà, où j'ai les métriques qui s'affichent en direct. Et je ne sais pas si vous avez vu, entre le moment où j'ai déployé mon agent et le moment où je vois mes métriques dans la console, c'est quasiment instantané. Je peux avoir une vue par pod également ici et par container. Voilà. Voilà pour ce tour d'horizon rapide. Dernière chose à vous dire, c'est que toutes les sources que j'ai montrées là, et même la partie applicative, je ne vous ai pas montré les sources de mon application, mais vous pourrez aller les voir, sont disponibles dès à présent sur GitHub, donc dans le GitHub de CloudReach. Ici, vous allez dans le GitHub de CloudReach, Meetup France, vous avez un répertoire, quand vous arrivez là, qui s'appelle K8S Splunk, et là, vous avez tout le code source que je vous ai montré, avec les schémas et l'explication de comment utiliser ce code. Voilà, je rends la main à Pierrick qui va vous faire un tour d'horizon un peu plus complet de la console Splunk Infrastructure Monitoring. Arnaud, je me permets juste avant de repasser la main à Pierrick pour la suite, on a une question. Est-ce que vous pouvez, donc là je pense que tu peux ouvrir ta console AWS peut-être pour répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez montrer comment les trois agents se servent du coup de la NAT Gateway et de l'Internet Gateway pour pousser les métriques vers Splunk, vers le SaaS Splunk, peut-être juste rappeler le chemin réseau qui est suivi à travers la NAT Gateway, l'Internet Gateway. Yes, absolument. Alors là, du coup c'est de la pure infrastructure AWS. Hein. Là, c'est pas Kubernetes qui se charge de ça. C'est vraiment mon infrastructure AWS. Donc, j'ai ici mes worker nodes qui sont déployés dans les sommets privés, donc qui ont une IP privée. Mais au niveau de leur subnet, en fait, on a défini une route pour leur dire d'envoyer tout le trafic qui doit sortir vers Internet vers mon élément NAT Gateway qui est déployé ici dans mon subnet public. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que le trafic qui sort de mes worker nodes va vers ma NAT Gateway. La NAT Gateway fait la translation de l'adresse IP, donc translate l'adresse IP privée en adresse IP publique pour l'envoyer sur Internet au travers de l'Internet Gateway. D'accord? Donc là, pareil, au niveau de mon subnet public, j'ai une route vers mon Internet Gateway afin d'accéder à Internet et donc pousser les métriques vers le endpoint public de Splunk. Voilà, donc là, c'est de la pure infrastructure AWS. Vous pourrez le voir plus en détail dans le code source. Regardez le code et regardez ce qui est déployé côté AWS. Dans la console, on peut voir, effectivement, je peux le montrer au niveau du VPC.
Hop. Au niveau de mes subnets. Voilà. Voilà. Donc j'ai plusieurs subnets déployés, mais ici, si je prends un subnet privé au niveau de ma routable, hop, voilà. Ici, j'ai la destination 000/0, donc Internet, pointe sur ma NAT gateway, qui est dans mon subnet public, ici. Voilà. Et la routable de mon subnet public a une destination pour Internet qui pointe vers l'Internet gateway. Voilà. C'est comme ça que le trafic sort de mon infrastructure AWS. J'espère avoir répondu à la question. Je pense que ça répond bien à la question. Merci. Du coup, merci Arnaud. Tac. Ok, super. Bah là, du coup, tu peux tout de suite, Thomas, si tu veux remettre sur mon écran. Donc l'idée, c'est là, on a montré un déploiement très, très bien fait. Hein. C'est bien, j'ai tout compris. Sur comment est-ce qu'on allait déployer toute la partie Kubernetes. Après, l'idée, c'est que forcément, il y a des fois, on va avoir plus de clusters, donc il faut être capable tout de suite d'aller pointer sur un problème et de se dire, OK, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est Armageddon sur mon infra ou pas? Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est beaucoup plus de clusters. Alors, en conditions réelles, on aurait moins de clusters et peut-être avec plus de nœuds par cluster. Là, on est quand même sur un environnement qui est assez fourni. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je suis de ce point de vue-là, qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Pour la petite histoire, on verra si après vous avez trouvé le problème du cluster d'Arnaud. Mais là, ce que je vais faire, c'est un peu le même travail. C'est j'arrive sur ma vue live, j'ai tout un tas de clusters. Je vais en sélectionner un et je vais regarder ce qui se passe. Là, tout de suite, j'ai une information, c'est que de toute évidence, il y a un problème. On n'est pas sur du rouge complet où c'est le feu un peu partout. Mais déjà, on se rend compte qu'on a des petits soucis. Mais quand je passe sur chacun des nœuds, ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'à chaque fois, j'ai des problèmes de pression mémoire. C'est-à-dire que j'ai des nœuds qui sont en galère de RAM, si on peut être un peu familier. Et donc, l'idée, ça va être de se dire pourquoi. C'est toujours la même question. Hein. Quand on a des problèmes, la question qui arrive, c'est pourquoi j'ai ce problème-là. Donc, on peut sélectionner, par exemple, ici, on a le 6. Hein, et je fais exactement le même travail qu'a fait Arnaud tout à l'heure. Je vais pouvoir me mettre dans une vue un peu plus globale. Et là, je commence déjà à avoir une petite idée de ce qui se passe. Et ce qui peut être intéressant, c'est plutôt que de constater, il faut toujours essayer de comprendre. La métrique, encore une fois, vous donne une information. Les traces vous donnent l'information de où vit le problème, et derrière vous avez les logs qui vont vous dire attention, là ça peut venir de là. Donc là effectivement, si je vois ici, j'ai tout de suite mon graphique qui me dit ma métrique, j'ai un problème, j'ai problème de pression mémoire de toute évidence, et il se trouve que j'ai même le nom du conteneur qui pose un souci, puisque j'ai ici un robot qui utilise plus de 90% de mémoire. Donc on est sur quelque chose d'assez catastrophique. Hein. Et du coup, je peux sélectionner ce conteneur-là pour voir ce qui se passe. Et donc, sur le même principe, toujours, hein, on sélectionne une entité, on regarde comment elle est configurée, on regarde son comportement. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que je suis sur un state ready. Et même, on peut même noter que sur la vue d'avant, j'avais le nœud qui était en orange, mais le pod en lui-même ne l'était pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, d'un point de vue Kubernetes, le pod n'a pas de problème. Le nœud, lui, a une pression mémoire. Mais d'un point de vue configuration, le pod se comporte absolument comme il le faut. Et donc c'est là où en fait je me dis, c'est peut-être un problème de configuration, puisque là en plus j'ai un state ready, donc tout a l'air de bien aller, j'ai pas d'événements qui me disent, j'ai vraiment un souci d'utilisation de ressources. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, je vais tout de suite voir que j'ai pas mis de limite d'utilisation mémoire sur ce workload-là, sur ce conteneur-là, ce qui veut dire qu'en fait, je vais utiliser absolument toute la mémoire, et donc je vais générer une pression mémoire sur un nœud. Sauf que du point de vue de la conf, c'est normal, puisqu'on est dans l'état qui a été décrit dans notre configuration. Très bien. Donc ça, déjà, on sait déjà qu'on va pouvoir le changer. C'est peut-être le stagiaire qui a fait ça, ou quelqu'un qui ne savait pas exactement quoi faire, mais on sait déjà que là, on a un petit souci. Maintenant, on peut se poser une autre question. Je sais que j'ai un workload qui pose problème sur mon nœud. Est-ce que j'ai d'autres workloads qui vont être impactés? Toujours, la conséquence est hyper importante. Parce que je vois en fait que quand je regarde dans ma liste de conteneurs, j'ai deux conteneurs qui s'appellent Payment. Alors, je pense qu'il ne faut pas être un génie pour comprendre que s'il y a des choses qui s'appellent paiement, mieux vaut que ça marche. Je pense que c'est peut-être là où on va générer un peu d'argent, pour le coup, sur cette appli. Et donc, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est pareil, regarder l'évolution des métriques pour ce conteneur. Et puis surtout, pareil, aller voir les logs. Hein, on veut avoir le contexte, on veut comprendre ce qui se passe. Donc, pour le coup, on peut aller voir les logs. Donc là, on peut passer... Alors moi, j'ai fait le choix de passer sur une instance séparée de Splunk. On peut la voir exactement dans la même vue ici. Mais moi, je vais utiliser une instance à part. Et donc là, en fait, j'utilise une valeur de métadonnées, ici c'est l'ID du conteneur, pour aller ensuite voir les logs de ce conteneur-là.
Donc, imaginons que vous ayez une solution ou une instance Splunk Cloud ou Splunk Enterprise qui est hébergée chez vous. Vous pouvez déjà vous dire, bah, je couple en fait ma partie Kubernetes directement avec ma partie log, ou alors vous le faites directement dans la même interface. C'est au choix. Et là, en fait, ce que je vois, c'est qu'effectivement, j'ai un petit souci, c'est que j'ai des problèmes de out of memory. Donc, si je reviens là, en fait, ce que je comprends, c'est que finalement, ce robot-là qui prend 90% de mémoire, c'est cool. Sauf que, en fait, il impacte directement des conteneurs qui ont l'air d'être assez importants, puisque je me retrouve avec des out of memory sur des conteneurs qui s'appellent payment. Alors après, je peux aller d'un point de vue applicatif, si je veux, pour aller comprendre finalement, est-ce qu'il y a vraiment un impact ou est-ce que ça a l'air de bien se passer. Bon, j'ai vu du rouge, donc il n'y a pas. Ouais, ok. Donc, visiblement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc là, tout de suite, on voit que le paiement, c'est dans le rouge. Hein, et derrière, on peut confirmer que c'est bien lié à ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, je vais faire un découpage par nœud Kubernetes. Et comme ça, je vais regarder. Ouais, voilà. Donc là, en fait, on est capable de voir le microservice, l'impact du coup de ce qu'on a détecté d'un point de vue infra. Mais cette fois-ci, on le voit d'un point de vue purement applicatif. Et on voit qu'effectivement, il n'y a bien qu'un seul nœud Kubernetes qui pose problème. Ici, c'était le nœud numéro 6. Alors, si je veux, après, ce que je peux faire, c'est aller voir le détail d'un point de vue plutôt applicatif. Donc là, on rentre dans la partie Open Tracing, qui encore une fois fait partie d'Open Telemetry, où je vais pouvoir aller voir dans une trace que, voilà, donc effectivement, là, j'ai des erreurs 500 sur la partie API et sur une transaction de checkout, et puis j'ai du 402 d'un point de vue de l'exécution du paiement. Donc j'ai des request time. Donc en fait, là, le problème, c'est que j'ai un cluster Kubernetes avec un workload qui pompe toutes les ressources. Donc du coup, mon service de paiement a du out of memory, et d'un point de vue applicatif, ça me génère des 402 sur le microservice de paiement, mais derrière, sur les microservices qui sont avant le paiement, donc plutôt vers les utilisateurs, on a des erreurs 500. Donc là, on a typiquement, si jamais j'étais responsable d'application, je pense que je recevrais des alertes du type, voilà, erreur 500, internal server error, et donc du coup, je devrais faire le trajet dans l'autre sens, c'est-à-dire passer de l'application pour ensuite aller essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est toujours important de comprendre l'impact et de lier, encore une fois, les métriques. Est-ce que j'ai un problème? On a vu là, la mémoire, c'était une catastrophe. Problème de mémoire. Les logs me disent, voilà, ça, c'est le contexte. Donc là, tu as du out of memory. Et derrière, directement, la trace qui me dit, là, c'est du 402 et d'un point de vue applicatif, ça ne va pas du tout. Donc, on a énormément de choses qui nous permettent de comprendre finalement l'impact de tous ces problèmes sur à la fois une partie infrastructure, une partie applicative et puis une partie utilisateur. Et si on revient sur les slides, Thomas, s'il te plaît, on va pouvoir voir en fait que finalement, ce qu'il faut, c'est une solution complète d'observabilité et donc d'être capable de voir de différents points de vue les informations dont on a besoin pour s'assurer que un système il est observable comme il faut. Donc là, on a vu la partie infrastructure monitoring, on a vu la partie APM que je vous ai montré très rapidement. On pourrait passer plusieurs heures dessus, mais ce n'est pas le sujet. Et puis derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la partie log couplé avec tout ça, et la partie Real User Monitoring qui vient pour alimenter encore plus et récupérer plus de métriques. Donc, il faut toujours penser à tout ça, et je vais vous raconter une petite histoire pour finir, et après, on fera le petit wrap-up. C'est que j'ai un ami à moi de longue date qui utilise une autre solution d'observabilité, je lui en veux pas, c'est pas très grave, mais où, du coup, sur leur architecture Kubernetes, ils se sont retrouvés en face d'un problème qu'ils n'avaient pas anticipé. Donc, ils ont une solution, ils ont une infrastructure Kubernetes, c'est un ingénieur DevOps, et leur application tourne là-dessus. Un jour, l'équipe de monitoring arrive et lui dit « Là, on a un problème, on a plus de métriques sur notre dashboard. » Donc, on démarre l'application, on voit l'utilisation mémoire, CPU et autres à l'instant T, c'est-à-dire au démarrage. On a une certaine utilisation mémoire parce qu'on est sur une application Java qui n'est pas encore tout à fait migrée en microservice. Et du coup, d'un coup, on n'a plus de data. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le dashboard, il constate qu'effectivement, il n'a pas plus d'infos que ça. Donc la meilleure solution, c'est quoi? Quand on n'a pas la bonne solution, on se log sur le conteneur, on regarde les logs et on voit ce qui se passe. Exactement le même symptôme qu'on a vu tout à l'heure, il voit des problèmes de mémoire, donc il va voir l'équipe qui est responsable de ça, il dit pour le coup, on a un problème d'explosion d'utilisation de mémoire, donc il faut juste régler ça et voir comment est-ce qu'on peut le faire. Très bien, sauf que derrière, la réponse, c'est ouais, c'est pas possible. Donc là, il y a un peu de surprise, comment ça c'est pas possible? Il dit oui, parce que sur notre dashboard, en fait, on voit pas d'augmentation de mémoire, on a juste le startup, la mémoire commence à la valeur qui est attendue, mais derrière, on n'a juste plus rien. Donc là, il y a un petit débat pendant quelques minutes, voire quelques heures, la solution qu'il trouve pour finalement arriver à la réponse, c'est de se dire, on n'a qu'à se connecter sur la machine, on fait un top, on sort par utilisation mémoire, et derrière, on regarde tout simplement ce qui se passe. Donc c'est ce qu'ils font, ils démarrent l'application, ils lancent top, on regarde l'utilisation de mémoire. À T0, on a bien une utilisation normale,
Sauf que deux secondes après, donc à T+2, on se retrouve avec, on passe de 5 gigas à 7 gigas. Et puis derrière, à 4 secondes après, on se retrouve à 7. Et quelques secondes après, on se retrouve à 10. Et donc ça crache parce que c'était le maximum autorisé. Là, en fait, donc lui, il était content parce qu'il s'est dit, vous voyez, les gars, j'avais raison. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, leur solution qu'ils avaient, la résolution maximum pour détecter les métriques et pour les restituer, c'était une minute. Donc quand vous avez des scénarios un peu catastrophes comme ça, qui arrivent en une dizaine de secondes, c'est impossible à voir parce qu'en fait, tout a crash, du coup, l'agent, il renvoie rien. Et donc, du coup, dans votre dashboard, vous avez quoi? Bah, vous avez rien. Et donc, du coup, vous êtes un peu laissé comme ça, bah, vous savez pas trop quoi faire. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que quand on a ce genre de problème, bah, on est capable de les récupérer le plus vite possible pour dire, bah, là, effectivement, j'ai une résolution à la seconde, donc je suis capable de voir cette augmentation. Et quand je suis responsable de la supervision, je suis capable de dire, bah, là, de toute évidence, j'ai bien une augmentation de ma mémoire, donc je dois avoir un leak assez vénère pour que ça passe aussi vite. Et donc, du coup, je peux tout de suite gagner du temps et je vais sur mon Kubernetes, je regarde ce qui se passe, je vois si j'ai un problème de configuration, etc., etc. Et tout ça pour dire qu'il faut toujours les bonnes solutions pour les bons outils. C'est ce que Splunk construit aujourd'hui avec la solution d'observabilité. Ça passe par le rachat de signal FX, ça passe par énormément de R&D pour arriver à ce que vous avez à l'écran, qui est finalement une expérience utilisateur qui va venir combler tous ces manques qu'on a dans les solutions traditionnelles. Et sur la slide d'après, un rappel qui est hyper important pour nous, c'est qu'on est les principaux contributeurs à l'initiative OpenTelemetry. Aujourd'hui, on est numéro un devant Google, devant Microsoft, devant tous les autres. Et tout simplement parce qu'on se repose sur quasi que de l'open source. La seule chose qu'aujourd'hui qui est chez nous et qui est brevetée, c'est l'architecture. Parce que c'est normal, il faut bien qu'on gagne notre pain d'une façon ou d'une autre. Mais tout le reste, on va se baser sur des technologies qui sont open source. La métrique, la trace, donc là on utilise Open Tracing, donc vous pouvez utiliser du Jaeger, du Zipkin et nous envoyer les traces, ça fonctionnera exactement de la même façon. Ou alors vous pouvez utiliser notre propre implémentation, c'est pas un problème. Mais voilà, tout ça va se baser sur des technologies open source et finalement nous on met à disposition le moyen de gérer au mieux tous ces types de données à travers la solution d'observabilité. C'est tout pour moi, je pense qu'on peut passer au wrap-up, Thomas. Ouais, super. Ben, juste avant, peut-être Arnaud, je sais pas si tu veux peut-être rapidement revenir sur ton écran pour montrer la fin de ton petit scénario. Absolument. Alors, sur ton écran. Ouais. Allez, on fait ça en régie. Merci la régie. Alors effectivement, j'avais posé une petite question. Quel était le problème de mon cluster? Donc personne n'a trouvé sur le chat. Dommage, j'avais plein de super cadeaux à gagner, mais vous êtes passé à côté. Donc ce qui se passe sur mon cluster, c'est qu'ici, si je reviens sur la vue pod serveur, bah, ici on voit que ma consommation mémoire, en fait, elle est en augmentation permanente. Donc j'ai tout simplement une fuite mémoire sur mon application serveur. Et quand je clique sur mon container serveur, ici, je vois que ma memory limit est à unlimited. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que mon serveur consomme de plus en plus de mémoire. Il y a une fuite dans mon code applicatif. Et donc, je finis par saturer la mémoire de mon worker et tout plante. Voilà, c'était la solution qu'il fallait trouver. Et du coup, dans quel langage as-tu développé ce petit... J'ai développé ça en Python, parce que c'est quand même vachement sympa comme langage. Donc, vous pouvez regarder le source code qui est sur GitHub. Et voilà, j'ai une petite variable leak ici qui ne fait que grossir. C'est un tableau qui ne fait que grossir à chaque appel de service. Tu sais tout. Un mauvais esprit aurait dit qu'il aurait été plus facile de faire une fuite mémoire sur un code en Java, mais bon. Non, mais ça, c'est mauvais esprit. On va pas rentrer dans les débats d'idées, là. Attention. Ça serait vraiment, vraiment du mauvais esprit. On a une petite question qui est arrivée entre-temps, une question de Pascal qui nous dit, une fois que l'agent est installé, du coup, donc sur le cluster Kubernetes à travers le daemon set, est-ce qu'il nécessite des droits particuliers? Alors, je sais pas... Faut juste faire attention en fait quand on déploie. Donc l'agent c'est un daemon set, donc et Arnaud l'a très bien montré. On fait appel à l'API Kubelet. Donc en fait la seule là où il faut faire attention, c'est qu'on ait bien les droits d'aller récupérer ces informations. Alors des fois on peut se trouver avec des petites contraintes réseau où voilà un daemon set a pas le droit d'aller taper sur l'API à cause de problèmes réseau. Et donc du coup faut faire attention à ce genre de choses. Bon ça c'est un peu un classique. Hein. En général quand on voit des access denial ou ce genre de choses ça c'est souvent ce genre de choses. Il faut bien s'assurer que les métriques sont bien disponibles aussi. Alors, c'est moins vrai sur Kubernetes, mais pour pas mal d'intégrations, des fois, on a des gens qui nous disent « Oui, ça marche pas, mais en fait, ils n'avaient pas exposé les endpoints. » Et donc là, bah, tout de suite, ça pose un problème. Sinon, il faut juste exposer la métrique. Mais sinon, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier. L'avantage de ce déploiement,
c'est que comme on est sur un daemon set, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une propagation de ces agents qui vont derrière communiquer entre eux, et en fait, ils vont établir un leader entre tous ces agents qui va être le seul agent qui va reporter la métrique à l'interface à lui dans le cloud. Ça permet de ne pas avoir tous les agents qui communiquent en permanence avec l'API, qui derrière va consommer de la ressource et qui derrière, ça vous génère un trafic Internet qui va être beaucoup trop important, surtout dans des gros déploiements. Là, vous avez un leader qui est élu, très démocratique comme process, et donc du coup, ce leader va ensuite aller récupérer la métrique et le déployer et l'envoyer sur Splunk Cloud. Donc non, une fois que c'est déployé, normalement, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas besoin de vous occuper du reste, ça tourne tout seul. Le but, c'est de faire ça, Arnaud l'a fait, en quelques secondes. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus et voilà. Ok, super, j'espère que ça répond à la question. En tout cas, messieurs, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous deux, Pierrick et Arnaud. Vous avez été très très clairs, puisqu'on n'a pas d'autres questions. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. On répond même en replay. Si vous regardez cette vidéo en replay, on essaye aussi de répondre aux commentaires après le live. Si vous n'êtes pas en live et que vous voyez cette vidéo en replay, n'oubliez pas qu'on fait ce genre de meet-up tous les mois sur des sujets très variés. N'oubliez pas non plus que CloudReach recrute des cloud architectes, des cloud system developers, des project delivery managers, des cloud consultants. Donc vous pouvez regarder tout ça sur notre site carrière. Oliver en a très bien parlé tout à l'heure. Et le sujet du mois prochain, alors on a déjà eu un petit aperçu, je dirais, à travers les différents déploiements d'Arnaud. On va essayer d'améliorer les déploiements avec Terraform Cloud en partenariat avec HashiCorp, hein, donc la société qui édite Terraform. Donc n'hésitez pas à nous retrouver le 11 février. À partir de 18h30, donc comme d'habitude, on sera en direct sur YouTube avec des intervenants d'HashiCorp. Donc voilà, je profite de ces derniers instants pour remercier chaleureusement la présence de Pierrick, qui nous fait, alors je vais pas dire l'honneur parce que ça va le faire, mais qui nous fait le plaisir en tout cas d'être là et de nous présenter la solution Splunk. Voilà, merci également à Arnaud d'avoir préparé toutes ces démonstrations. On sait que c'est chronophage de préparer ces démonstrations. Tout le code qui a été utilisé ce soir, puisque tout est développé en infrastructure as code, évidemment. Disponible sur GitHub. Alors on avait mis le lien dans un slide précédent, on le remettra dans la description de la vidéo et puis on le partagera à l'issue à tous les membres du groupe Meetup. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée et puis au mois prochain, le 11 février, pour parler de Terraform et de déploiement. Au revoir. Merci. Au revoir.